Voici le profil de l'étape la plus plate de ce Tour de France 2020, d'une île à l'autre. C'est un tracé donc côtier, l'île d'Oléron, le Tour est venu une fois dans son histoire, et l'île de Ré, arrivée absolument inédite. Une étape donc très plate, mais peut-être pas nécessairement sans relief. Le vent pourrait s'inviter dans cette étape qui s'annonce absolument splendide d'un point de vue visuel. Il chute, il y a Gissing qui est tombé, il y a deux coureurs de Mitchelton, il y a un Sunweb, il y a un Education First. Ça va beaucoup moins bien pour le coureur, c'est Roche. Nicolas Roche qui semble le plus touché là pour le moment. Qu'on reprendrait un léger vent de côté à 1 ou 2 km, mais... Oula. Je sais pas ce qu'il y a eu dans le virage, mais ça a dû tomber parce que c'est tombé sous les arbres, je pense. C'est tombé. Ouais. Guillaume Martin pris dans la chute, mais il est là. Polite, ouais. Coquart, Pogacar dans la chute. Aïe. Pogacar, le voilà. Ça va, ça a l'air d'aller. Et ça n'est pas arrivé souvent, un sprint intermédiaire sans échapper, ça veut dire avec le maximum des points à prendre. Je vous rappelle le classement du maillot vert. 1, Sagan, 138 points. 2, Bennett, 131, soit 7 de moins. Bennett, Sagan et Trentin. Et Trentin produit son effort maintenant. Trentin avec Sagan. Et Bennett. Alors Morkov, qui se relève. Et finalement, non, et bien Sagan. Trentin, Sagan, Bennett, Morkov. Attends, chut. Aïe, ça c'est le château de cartes. Aïe. Oh. C'est un coup de CCC qui est au sol.